bloquer, restreindre une application, par exemple sur Windows, si vous voulez par exemple qu'une application soit complètement bloquée au niveau de vos enfants, c'est un exemple. Ou vous-même, voilà, vous ne voulez pas qu'il y ait quelque chose qui s'exécute, voilà, car il y a des choses qui s'exécutent automatiquement dans Windows, et puis des fois, ben, on est obligé de faire diverses manipulations pour les bloquer. Donc là, j'ai trouvé une nouvelle astuce ben, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc voilà, sur le site PC Astuces, qui est un très bon site, que moi-même je visite de temps en temps pour regarder les astuces. Donc c'est, tout est classé, hein. Windows 10 est ici, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, et vous avez aussi Linux. Voilà, il y a plein ici d'onglets. Donc comme son nom l'indique, PC Astuces. Donc pour bloquer l'exécution d'un logiciel, par exemple, d'un exécutable, eh bien, vous regardez ici, tout est expliqué. Donc, je ne vais pas faire de vidéo parce que ça sert à rien, parce que là, tout est expliqué avec des images. Donc, c'est juste pour vous informer. Il suffit de suivre. C'est pas compliqué. Et n'oubliez pas, bien sûr, de lire ici avant de vous précipiter à le faire. Voilà. Apparemment, c'est que dans certaines éditions de Windows. Voilà. Par exemple, Windows 7 Pro et Windows 7 intégral, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro. Voilà. Sur les autres, apparemment, on ne peut pas. Mais ça coûte rien de regarder quand même. Bon, parce que bah, il peut y avoir des erreurs sur les sites ou des mises à jour, par exemple, de la part de Microsoft. Donc, il suffit de regarder. Tout est bien fait. Vous suivez les étapes par étape. Arrivé en bas, hop, vous avez la seconde étape ici. Alors n'ayez pas peur hein, des images et de ce que vous voyez, je vous dis c'est facile. On va dire c'est assez facile. Voilà. Il suffit de lire 1, 2, 3. Voilà. Étape 1, 2. Vous regardez bien, il y a l'image. Tout est. Voilà. Et à un moment donné, eh bien, on peut donc bloquer. Voilà, ici, action autorisée, refusée. Alors normalement, ça va bloquer. Par exemple. Par exemple, vous pouvez faire ceci, comme je vous l'ai déjà fait en vidéo, si vous voulez bloquer par exemple Microsoft Removal Tool. Voilà. C'est l'outil antivirus de Microsoft, de Windows, qui scanne votre PC en tâche de fond pour savoir s'il n'y a rien. Mais ça, vous ne le voyez pas puisqu'il n'y a pas de. Mais ça scanne. Et des fois, bah, ça vous dégage vos cracks, par exemple. C'est un exemple. Donc avec ça, vous pouvez, avec cette solution, vous pouvez aussi bloquer le fichier. Par exemple, mrt.exe. Bon, ça, j'avais déjà fait une vidéo. Donc bref, voilà, je vous le présente, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et encore une fois, je vous dis, voilà, vous avez aussi des astuces ici. Voilà. Donc voilà.